Salut à tous, bienvenue dans toute nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui on se retrouve pour une magnifique vidéo. Je vous ai dit le retour des modes. Voilà, et aujourd'hui le mode de la semaine, vous en aurez deux cette semaine les gars. En tout cas pour le premier mode, eh bien nous avons acheté les gars une villa transparente. Donc c'est à dire c'est une villa. Voilà, c'est une villa comme vous avez pu le voir. Une maison quoi, une maison mais transparente, toute transparente de partout, de tous les côtés. Je l'ai achetée, elle m'a coûté extrêmement cher. Vous allez voir où est-ce qu'elle est placée, elle est plutôt bien placée dans GTA. On a une belle vue et bon, on va aller visiter tout ça, voir à quoi elle ressemble. En tout cas, moi, je l'ai payé plein pot, voilà. C'est lui direct quoi, c'est lui million quoi. Alors pas un million, hein, pas 10, voilà, oublie, c'est direct. C'est ça, c'est le prix qu'il faut acheter. En tout cas, on est parti, abonnez-vous, pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires quel mode vous voulez que je fasse sur ce. Ok, let's go. On est actuellement sur GTA les gars. Et regardez où je suis. Je suis actuellement au Mont Chiliad. Mais vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait au Mont Chiliad celui-là? Why, what are you doing? What are you doing? Et écoutez, regardez-moi ce qu'il y a dans le Mont Chiliad les gars. Tout en haut, on va y aller doucement. Alors, c'est vrai qu'elle est pas mal. On peut tirer. On a le boost également. Est-ce qu'elle peut se casser ma maison, vous pensez? What the fuck? Ça m'a coûté comme 100 millions cette truc, les gars. Wow. Elle est toute transparente. Je suis choqué. What the fuck? Mais c'est quoi cette maison? Mais attends, mais déjà, est-ce que quelqu'un aimerait avoir une maison transparente aussi, perchée comme ça? Mais en fait, elle est perchée et... J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui la tient. Mais surtout, ceux qui ont peur du vide, les gars, c'est tendu, quoi. Alors, on a un petit garage ici, on peut se garer là. Voilà, il y a mon petit Marshall, il y a un garde du corps. Hein, parce que vous savez que c'est une maison forcément très très riche. Donc forcément, il y a des gardes du corps. Ok, on peut descendre par là. Bah écoutez, j'ai une piste d'atterrissage. Je pense que je vais me garer. Ok. Alors, on arrive tout simplement en haut de la maison. Donc je vais vous faire visiter ma petite maison transparente. On a notre petit garde du corps forcément qui surveille la maison, hein, tu connais. Forcément, ça surveille. Hein. Hélico, privé, voilà, petite piste d'atterrissage, tranquillement, piste d'hélico. Oh ouais, what the fuck, un jacuzzi transparent. Magnifique, magnifique, on a un jacuzzi transparent. Je vais pas m'installer maintenant, on ira peut-être faire un tour après. Mais en tout cas, le petit jacuzzi transparent, il y a du monde qui est là. Alors, j'ai remarqué, il y a pas mal de filles. Ok, on a un parachute. Oh, on a une table de blackjack, s'il me semble. Je sais pas c'est quoi exactement. Peut-être blackjack. Oh, on a même une machine à sous. Ah ouais, stylé. Je vous ai dit, c'est une toute nouvelle villa. Ça vient de sortir, les gars. C'est avec tous les nouveaux éléments. Ok. On peut bronzer également ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Oh, ok, on a une machine. On a ça. Le jacuzzi. Enfin, la petite piscine un peu. J'ai l'impression que c'est plus un jacuzzi qu'une piscine. Mais attends, c'est-à-dire que la piscine, elle se voit d'en bas. Ok, en tout cas, regardez-moi ça, ceux qui ont peur du vide, les gars. Waouh, mais regardez quand on regarde en bas. Regardez quand je regarde en bas. Il faut vraiment pas avoir peur du vide. Alors, oui, il y a un arbre aussi également. Oh, il y a un chien. Eh, hey, salut toi. On a un petit chien. Coucou. Comment vas-tu, petit chien? Alors, on commence par. On va commencer par le côté droit, ensuite on ira vers le côté gauche. Alors, on a la petite table, hein, forcément. Tu vois, cette table est très importante et très pas mal aussi. On a également le petit... Moi, ouais, c'est stylé, c'est la petite déco en cerise comme ça. Ça fait, bah, c'est un peu, je dirais... ça fait un peu casino. Elle est stylée, cette cuisine. Elle est stylée. On peut... Bon, on peut cuisiner tranquillement, quoi. C'est-à-dire qu'on est là, on est posé, on cuisine et en même temps, on a une petite vue sur le Mont Chiliad. Mais vraiment, moi, il faut vraiment que j'ai pas peur... Enfin, heureusement que j'ai pas peur du vide, moi, personnellement, dans la vraie vie. Ce que je peux vous dire, ça fait peur. Petite table de ping-pong, ok. On a aussi des tableaux qui valent un peu cher, j'ai l'impression. Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a tout à côté? Oh, stylé. Oh, oh, oh. Un petit bureau transparent également, avec un jacuzzi. Ok, devant le jacuzzi, on a de l'argent, un sac d'argent, de l'argent posé au calme, comme ça. On a surtout, ce qui est important, c'est... C'est le jacuzzi. Alors, comment je vais accéder à ce truc là? Play, voilà. Ah oui, on a aussi une baignoire ici. Baignoire, machine à laver. Donc voilà la baignoire. Oh, il y a une meuf là-bas. Ah ouais, d'accord. Ok, il y a une meuf posée dans mon lit. Pourquoi pas? La petite chambre. Ok, avec une meuf à l'intérieur. Sympathique. Petite chambre avec également vue plutôt magnifique sur la mer et tout. On a une grosse télé aussi. C'est sympathique.
contre, ouais, c'est abusé. En fait, c'est trop. C'est vraiment trop. Alors, par contre, ce qui me fait peur, c'est est-ce qu'on peut rouler? Parce que là, j'ai une T20, mais est-ce qu'on peut rouler? C'est la question. Alors, on a l'impression. Ouais, c'est des stores. Ouais, c'est des stores. Regardez, il y a des stores. Ok, il y a des stores. On a une autre fille. Alors, j'ai l'impression que le mec, il a que des meufs chez lui, quoi. Ok, des petites bouteilles de champagne, le petit canapé, le petit salon. Encore une télé. Plutôt sympa. Ah ouais, là par contre, le mec il a pas blagué quoi. Le mec, je veux dire, il a une maison qui vaut extrêmement cher, mais il a également une petite table de billard. Au calme. Alors on peut pas jouer malheureusement, mais c'est stylé. Avec des petites queues de billard et tout. Oh, je kiffe à mort. Je kiffe cette maison. Alors personnellement, s'il pouvait mettre la même sur GTA, ce serait pas mal. Alors on a une petite fontaine ici, on n'est pas remarqué. La petite fontaine, pas mal aussi. Bon, je sais pas d'où est-ce que ça tombe, mais pourquoi pas. Et on a aussi, bon, la table, je l'ai montré tout à l'heure, ça. Oh, il y a un drone, regardez. Un drone de la police. What the fuck? On a un drone de la police. Trop, trop stylé. Ok, bon, c'était le drone. Du coup, on a encore une meuf posée dans le salon. Je sais pas ce qu'elle fait exactement. En tout cas, elle est posée. Oh, regardez le... Ah ouais, regardez. Stylé la lampe. C'est des billets de dollars. Et on a la télé. Ok, donc voilà un peu à quoi ressemble notre petite maison. Oh, j'ai une question à me poser. C'est vrai que bon, c'est une maison qui est plutôt stylée. Voilà, regardez l'eau. Vue d'en bas. Ça donne ça. Ok. Mais j'aimerais bien savoir. Est-ce qu'elle est cassable? C'est ça la question. Bon, déjà, on va voir si on peut rouler dans la maison. Alors, est-ce qu'on peut rouler sans casser? Ah, déjà. Ah bah, elle démarre pas. C'est juste de la déco. Ah ok, c'est de la déco. On peut pas la rouler. Et bon, tout à l'heure on a dit qu'on allait faire un petit tour dans le jacuzzi. On va voir ce que ça donne quand on est dans le jacuzzi. Est-ce qu'il est profond ou pas? Ah ouais, quand même pas mal profond. Bon, ça m'arrive au-dessus de la ceinture. Bon, c'est ce qui est généralement un jacuzzi, c'est comme ça quoi, c'est au-dessus de la ceinture. Alors pas mal. Il y a encore des meufs, hein. Comme d'hab. Bon, je sais pas ce qu'il y a avec les meufs, Franklin, mais en tout cas, il y a des meufs. Il y en a une, deux, trois. Mais j'ai l'impression qu'il y a que des meufs en fait. Attends, il y a que des meufs depuis tout à l'heure en fait. Une, deux, trois meufs. Il y a un quart du corps. Cinq meufs. Six meufs. Mais il y a que des meufs en fait. Il y a que des meufs, les gars. Stylé. Ouais, je sais pas si on peut rouler dessus. En fait, j'aimerais bien tester. Je vais tester ça. Attendez. Oh, la salle. On peut pas rouler dessus. Ok. Ok, on peut pas rouler dessus, les gars, je suis tombé. What the fuck? Bah, en fait, on peut rouler, mais faut pas genre faire ça. Voilà. Oh my god. D'accord, la maison la moins stable de. Waouh, je vais mourir. Heureusement que je suis en mode God mode parce que je serais déjà mort. Eh, faut pas acheter cette maison, les gars. N'achetez pas cette maison. N'achetez surtout pas la maison là. Bon, on va tester si. Ma maison, eh bien, elle résiste aux balles de gueule. C'est parti. Ok, j'ai un petit pistolet silencieux histoire de ne pas effrayer les gens. Et j'ai surtout un gun. On va voir si ma maison, elle est cassable. Eh bien, malheureusement. Alors, c'est de la glace, quoi. La maison n'est pas du tout résistante, c'est-à-dire que c'est une maison à 100 millions qui peut se casser à tout moment. C'est même pas sécurisé quoi. Tu peux tomber à tout moment. C'est trop. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était la petite maison transparente de GTA 5. Elle était magnifique, elle était stylée. En tout cas, dans la vraie vie, je sais pas si j'achèterai parce que c'est quand même assez risqué. Abonnez-vous, pouce bleu, et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous présente d'autres maisons comme ça un peu bizarres. Sur ce, ciao ciao.